Bonjour à tous, c'est le Dédale du Carré, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur... C'est parti, allez. On avait récupéré les flingues la dernière fois et... Oh, ça ferait peut-être l'affaire. On avait récupéré les flingues et... Putain de bordel de merde. Donc on avait récupéré les motherfucking flingues et grâce à eux... On a pu faire plein de choses. Par exemple ça. Et donc du coup on peut maintenant grimper là. On va pouvoir changer les choses. Alors pourquoi cette trappe était fermée, je ne sais pas. Voilà. On met une motherfucking foreuse. Et la motherfucking forest, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va motherfucking forêt. Eh oui. C'est parti. Ouais. 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 On est à fond là. Hein? Mais je l'avais pas laissé là, ça. Il y a quelqu'un d'autre. Hello you. Désolé, ma jolie. La route s'arrête ici. Donne-moi ça, Larson. Cette histoire ne te concerne pas. Nicky Larson, Nicky Larson. Je vois les choses en face, tu n'as rien à faire ici. C'est un assassin qui... Laisse-moi passer où tu vas. Oh là, attends, il faut que je reprenne des cours de Nicky Larson. Qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Me tuer? Alors, c'est juste un job. Je sais à quel point tu y tiens, mais je dois t'en empêcher. On sait tous les deux que tu ne me tueras pas. Ouais, tu n'es pas comme ça. Tu ne sais rien de moi. Elle le tue ? T'as du sang sur les mains, c'est ça? Ah, c'est pas mal quand même. Ah, vous savez quoi? Déjà, merci. Vous savez quoi? J'aime bien. Parce que dans la plupart des jeux vidéo, on nous présente toujours des héroïnes ou des héros, hein, tout simplement. Qui ont tout simplement qui s'en fichent de tuer ou autre et qui quand ils doivent le faire c'est pas de leur faute, c'est ceci c'est cela. Non, là Lara a clairement choisi de tuer parce que voilà, elle a choisi de tuer, donc elle l'a fait, mais ça l'a quand même affecté, et sans pour autant qu'on nous fasse du mélodramatique quoi. C'est, on repère juste que ça la dérange de tuer, qu'elle ne veut pas, mais qu'elle a été obligée. Sinon, déjà de base, à mon avis, c'était elle qui y passait. On est d'accord. Et aussi parce que elle avait besoin simplement de pouvoir continuer sa route. Allez, oui, Disneyland Paris. Et... Ok, bon, ça doit être le point de passage qui a fait ça, mais la foreuse a ralenti d'un coup. Surprise, motherfucker! Oh. Oh. Fucking shit. Euh...
lave. Bon, je vais pas chercher à comprendre. Allez. Non, j'ai sauté. Ah, à mon avis, t'as même pas le réflexe de lever ta main. Comme ça. Ok, ok, ok. Je me fais souvent avoir par les glissades, hein, parce que d'un coup. Ok, mon grappin. Mon grappin m'a fait partir en couille. Ah, bien, il y a un point de passage. Ah, ils ont été sympas. D'accord, ah oui, d'accord. Mon grappin m'a vraiment fait partir en cacahuète. C'était pas du tout prévu. C'était là? D'accord. C'est quoi en bas? Juste un chargeur et du soin, franchement. Je veux pas risquer d'y aller pour deux objets, quoi. Deux objets qui ne sont pas... Ça, on serait dans Metroid, j'aurais essayé, tu vois. Mais dans Tomb Raider, ça sert à rien. C'est ça, le truc. Un jour, je ferais peut-être découvrir Tomb Raider, Metroid. Alors, attends, parce que là, je suis en train d'essayer de... Je doutais que c'était ça que je voulais faire. Ah, alors les sauts deviennent quand même un peu plus compliqués. Hein. Le jeu est un peu plus dur. Pas forcément extrêmement plus dur, tu vois, mais... Il faut un peu plus d'habileté, je trouve. Il faut sauter vraiment à des beaux moments. Oh! Numéro 2, j'en ai tué un. J'espérais bien te revoir. Crois-moi, je vais te faire souffrir. Si tu ne veux pas finir comme Larson, laisse-moi passer. Alors, ça t'a plu de tuer? Tu verras, c'est de mieux en mieux. Ça s'explique pas. Il faut le ressentir. Toi, tu dois pas avoir toute ta tête. On fait moins la maline, hein? Allez, t'as quoi? What? Ce mec est fou. Regardez comment c'est joliment bien fait. Ce n'est pas Lara qui les a tués. Du coup, elle n'a encore que le meurtre de Larson finalement sous les bras. Merci. J'aime bien les Mac, les Uzi, tout ça. C'est vraiment des armes que je trouve terribles. C'est vraiment terrible. Au passage, je ne vois pas pourquoi est-ce que... Ok, on peut porter ça. Je vois pas pourquoi est-ce que les terroristes... C'est vraiment très con ce que je vais dire, hein, peut-être. Je vois pas pourquoi les terroristes s'embêtent à choper des AK. C'est... Je sais pas, c'est une réflexion que je me pose, là, comme ça. C'est... Ce serait quand même plus simple s'ils avaient des Uzi plus meurtriers, finalement, non? Je ne sais pas. C'est plus facile à camoufler, à cacher.
Moi, j'aurais vraiment cru que la plupart des attentats, tout ça, malheureusement, se feraient avec ce genre d'armes. Et non, ils réussissent à avoir quelque chose de mieux, finalement, on va dire. Ils réussissent à faire carrément leurs affaires avec les fusils d'assaut. C'est incroyable, hein. Moi, ça me sidère. Ça me sidère, ça ne m'étonne pas plus que ça, malheureusement, parce que... C'est très bien organisé, hein. Wouah ! Pourquoi je suis tombé ? Pourquoi j'ai fait ça ? Peut-être que j'aille par là. Non, faut que j'aille par là. Par là ? Non. La solution doit être par là. Ou tout simplement monter là comme ça ? Non. La solution est devant toi, Dalucard. Mais... Tu ne regardes pas au bon endroit. Mais non, je suis con, ça d'où je viens. Mais la solution est là quand même, Dalucard. Très bien. Alors, un peu chaud ici. Pas un endroit où je peux grappin comme ça. Non. C'est quoi ces trucs? C'est une mine, et dans la mine, en fait, ils ont réussi à trouver un temple ou un truc extraterrestre ou je sais pas quoi. Alors, ça m'a servi à quoi de monter jusqu'ici? À quoi ça m'a servi? Parce que là, je suis arrivé jusque là. Ça m'a servi juste à ça? C'est ça? C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, mais... Je m'attendais à ce que ça me donne... tout simplement... Je m'attendais à ce que ce soit le chemin principal, tout simplement. D'accord. Bon, ça va. Ça m'a quand même donné pas mal de choses, donc franchement... Je n'irai pas me plaindre. Comme quoi c'était inutile, blablabla. Non, 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 ça donne pas mal. Enfin, j'imagine que c'est pareil, j'ai fait un autre chemin que le principal et que ça m'a permis de débloquer ça. Alors, attendez. Je peux aller par là, très bien. Je peux aller par là. La solution... La solution ne se trouve pas là. Bon. Là, je vois un endroit où on peut s'accrocher. Mais ça veut probablement dire qu'il fallait que je passe ailleurs pour le moment. Alors, attends. Ce que je vais faire, en fait, tout simplement, c'est que je vais me mettre là. Parce que c'est ces endroits là, c'est deux petites choses. Alors pensez de l'aura peut-être, on va essayer. Cet endroit est en très mauvais état. Cet endroit est en très mauvais état. Bon. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire tout simplement que je peux casser des choses. Par exemple. Tirant dessus ou autre, j'ai quand même récupéré pas mal d'armes. Ça m'étonne, ça a l'air d'être trop résistant.
Si je saute comme ça là-dessus, non. Par contre, ça peut permettre de descendre plus vite. Est-ce que j'ai essayé d'aller sur les toits? Non, apparemment ça sert à rien. Bon! Et si je repartais par là? Et que je faisais un peu plus attention à où est-ce que je vais? C'est-à-dire qu'une fois que je suis là, est-ce que je peux vraiment aller nulle part? Je crois que la solution se trouve de ce côté. Non, la solution doit vraiment être de ce côté-là, mais... je n'arrive pas à la trouver pour le moment. Non, on ne peut pas y aller. C'est le genre de face qui m'emmerde, franchement, c'est... je ne vois pas où est-ce qu'il faut s'accrocher, ou... tout simplement, voilà, je vois pas où est-ce qu'il faut s'accrocher, donc... donc ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Pourquoi après je peux pas aller plus haut? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus haut, là? Ici c'est peut-être juste un chemin. Là je peux aller là. Mais une fois que je suis ici, il n'y a pas d'autre endroit de toute façon. Donc aucun moyen de s'accrocher. Cet endroit est en très mauvais état. Ah, je vais m'installer en mode posé pour réfléchir. Déjà, on voit les toits d'ici et il n'y a rien. De ce côté-là, apparemment, il n'y avait rien. On pouvait pas aller plus haut, c'était vraiment juste pour choper tout ce que j'ai vu. Et dans ce cas-là, il n'y a plus que là en chemin. On peut ni s'accrocher, ni détruire quelque chose. Mais je vois une encoche là-haut. Dans cette présence. Donc soit je peux aller là. Mais je vois pas où, ni quand, ni comment. Soit c'est pour aller là-haut. Parce que cette encoche-là, est-ce qu'on peut y accéder d'ailleurs? Oui. Je vois pas du tout à quel endroit, à quel moment on est censé l'atteindre. Est-ce que quelque chose est au plafond, quelque chose que je devrais faire tomber? Non. Est-ce que ça commence à m'énerver? Bah oui. En vue comme ça. Par ici, j'ai pas de solution pour l'autre côté. J'ai dû louper quelque chose ici, c'est pas possible. Quand j'atterris ici, où est-ce que je peux aller? Et si je vais là, je tombe.
Y a pas un crochet, quelque chose comme ça au plafond? Bah, je vois une relique ou un artefact. Eh bah putain. J'espère qu'il faut pas faire ça dans un ordre particulier. Donc si j'ai bien compris... Impeccable. Juste les toucher, faut pas que je reste enfoncé. D'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. En espérant que je me bloque pas. Ça c'est cool, on peut revenir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Salut! Ok, c'est la porte d'entrée. Ok, je les vois. Ils sont légèrement... Alors je vais essayer un truc. Olé! Mais qu'il est bon, ce Dédalucard! Alors on va faire ça. Ensuite on se retourne. On saute ici. On saute ici. Et en plus d'avoir éteint le feu... Ah, ah, je voulais sauver le chaton, mais j'ai pas réussi. Donc là j'ai tous les symboles. Il n'y en avait plus que deux à avoir. Donc, pas trop un problème. J'ouvre la porte et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Normalement, ce n'est qu'une affaire de questions. Une question de 2 minutes. 2 minutes, 2 secondes. Voilà. On saute. On saute encore. Comment? Ok, ça a posé problème. Waouh, les dégâts que je me suis pris. Et je peux pas directement sauter là maintenant? Ça irait plus vite, non? Maintenant que je sais qu'on peut sauter sur ce genre de choses. Non. Bon. Ce sera peut-être des affaires de quelques minutes, peut-être. Ah putain.
Mais non! Mais non! Mais putain, mais saute en diagonale! Oh là 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 là! Oh, les commandes, le gameplay, la caméra, tout ce que vous voulez, quoi. Je me demande si c'est vraiment moi qui suis une mauvaise foi, ou si c'est vraiment le jeu, en fait, est comme ça, quoi, que... qu'il n'y a pas que moi qui galère, en fait. Des fois, Lara fait des trucs que je veux pas, et d'autres fois, elle fait des trucs que je ne savais même pas qu'elle en était capable. Non, attendez, parce que le problème, c'est que je peux pas aller par là. C'est ça. Voilà, je peux pas y aller. Me demandez pas pourquoi, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Bon, très bien. Donc comme je peux pas y aller, faut que je trouve un autre chemin. Le chemin en lui-même est une énigme, quoi. C'est... what the fuck. Putain, le pire, c'est que j'y suis allé au levier. J'y suis allé. Mais sauf que je m'en doutais quand je disais j'espère que ça va pas nous bloquer. Eh ben si, ils ont fait en sorte à ce que tu puisses être bloqué avec ça. Comme ça, t'as trouvé ce qu'il faut faire. Ouais, bah maintenant tu vas chercher comment faire, enfoiré. Comment voulez-vous que je fasse là, à ce moment-là? Je peux pas. Alors des fois, elle saute méga loin et des fois non. Je peux pas aller par là. Pas le choix, faut que je saute comme ça. Non, elle veut pas. Putain! Ah! Qu'est-ce que c'est, casse-couille? Mais monte! Oh! Oh, j'ai pas la patience. Ah, oh, j'ai pas la patience pour les Tomb Raider, je pense. Ah, je peux pas. Faudra que je m'énerve trop vite. Je peux pas. Je vous jure que ça me frustre. Ça me frustre trop vite. Ça me frustre. C'est... voilà. Il est là, le levier. Je le sais très bien. J'ai résolu l'énigme. Maintenant, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Ben parce que... tu sais pas pourquoi. Voilà. Et le pire, c'est que petit à petit, tu prends des dégâts. Petit à petit, tu prends des dégâts, donc tu risques de crever. Et moi qui voulais faire tous les Tomb Raider, honnêtement, je me pose la question, parce que franchement, j'ai pas le courage, là. Là, j'ai pas le courage. Ah, mais comment on fait, putain? Oh, sérieux? Bon, affaire de quelques minutes, effectivement, voire même d'une demi-heure. Pour un chemin, quoi. Pour un putain de chemin sur des pylônes que moi, déjà de base, j'ai l'impression qu'on peut... que par la gauche y aller. Putain, mais... mmh... ouais, ouais, non, je pense que je vais prendre une pause après. Je vais prendre une pause. Ça me fausse beaucoup trop. C'est super chiant. Là, est-ce que déjà de base, est-ce que je peux pas sauter comme ça, on est d'accord? Donc, mais... oh là 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 là. Tiens, allez, vas-y, on reprend de la vie. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. Ah, j'en ai marre. Donc je peux aller que en diagonale quasiment. Allez, mais... oh putain! Mais va te faire voir. C'est toujours le même pylône en plus. C'est genre, ah, ce pylône là il est piégé, il glisse un petit peu. Est-ce que je peux aller sur un pylône qui est dans le truc? Non, je ne peux pas. Allez, bug. Allez, super. Génial. Merci. Merci, Lara. Merci. Va. Non, je vais rester poli. Je vais rester poli. Le problème, en fait, c'est là, quoi. À quel moment je suis censé... regardez qui dit... non, c'est là en fait le problème. Où est-ce que je suis censé aller? Je peux pas aller là. Je peux pas aller là-bas. Je peux pas aller sur celui-là. Je pouvais aller que à là. Le problème, c'est que maintenant, il est enfoncé. La logique voudrait que techniquement...
je puisse reset. Ah mais arrête là, putain, vas-y, elle est casse-couille là, vas-y. Mais non, je voulais que t'ailles en arrière. Y'a pas moyen de reset. Ah, vous voulez m'énerver très fortement? Vous faites ça, en fait. Vous faites un des genres d'énigmes où, en fait, une fois que t'as trouvé la solution, eh ben, ouais, mais non, en fait. Tu vois la solution là-bas? Mais regarde, mais c'est... Et puis, il y a quelqu'un qui arrive derrière et fait, mais regarde, c'est tout con, hein. Regarde, il faut faire comme ça, hein. Je vois pas la solution. Je suis ici et là je vois pas la solution. Je peux pas aller là, je peux pas aller là, je peux pas aller là, je peux pas aller là-bas. Je peux même pas revenir en arrière. Va, viens, va te faire enculer. Va te faire enculer, Lara. Non, franchement, là, va te faire enculer. Mais... C'est... J'essaye de faire ça depuis tout à l'heure. J'ai échoué 4-5 fois. Comment voulez-vous qu'à un moment je me dise que c'est bien la bonne chose à faire? Il n'y a rien qui m'indique que je peux faire ça. À chaque fois que j'ai essayé, ça a échoué. Et là, tout d'un coup, ça fonctionne. J'ai pas changé, j'ai pas fait grand-chose. Et c'est ça pour tout. Les sauts, les trucs, faut s'accrocher. C'est pas la première fois que je dis ça. Le jeu nous indique aucunement que ce qu'on fait sert à quelque chose. Et ça, c'est chiant. C'est chiant. Parce que tu fais, tu cherches et tu ne sais pas si oui ou non ce que tu es en train de faire est concluant. Et ça, c'est un défaut. C'est un défaut du jeu. C'est un putain de défaut. Tu devrais au moins avoir Lara qui te dit quelque chose du genre... ou je sais pas, une indication, ou vraiment que tous les autres piliers soient vraiment trop loin pour que tu sautes. Là, non, visuellement, c'est pas si évident que ça, quoi. Oh, bordel de merde, hein. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même, malgré que j'ai ragé comme un gros porc. Mais là, franchement, c'était... Je sais pas, moi, je pense que je vais prendre une petite pause, là. J'étais censé enchaîner toutes les vidéos, mais... Ouais, je sais pas, ça m'a bien refroidi. J'ai beaucoup de mal, j'ai vraiment beaucoup de mal, quoi. Certains aspects du jeu, je trouve ça très très bien, je trouve ça vraiment bien. Et il y a d'autres aspects du jeu qui m'exaspèrent, mais... Vraiment, un haut level, quoi. Écoutez, sur ce, eh bien, portez-vous bien quand même. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que les jeux sont faits pour s'amuser. Et moi, je vous dis à plus.